Est-ce que tu vois des regards vifs? Bah, je vois des regards baissés déjà, hein, les mecs, ils sont tous en train de checker leur pompe, là. Hein. Est-ce que tu vois des champions du monde, bordel? Ah, on ramène pas la coupe à la maison, là, avec ça, c'est sûr et certain. Je peux aller voir s'il n'y a pas un petit Mbappé qui traîne? Ah, bon, please. Hein, tu me dis s'il y en a qui te parlent. Tiens, il y en a un là, juste là, tu sais, genre, d'ici, là, un petit côté David Beckham, là. Ah bah, d'ici, c'est David Pujadas, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup plus contracté, hein. Lui, j'aime bien, il est bien, lui, non? Il est accroustillant, non? Ça te cause? Pourquoi tu me montes tes veuches? T'es rasé à blanc, pourquoi tu... Comme... Il n'y a pas de complicité. Comment tu t'appelles? Cédric, magnifique, pour le nouveau Daco. Il est là. Tu lui demandes? Bien sûr. C'est quoi le prénom? C'est le beau gosse, là. Comment? Le tien, ben... Pardon? Sachi. Sachi. Tant que c'est pas dans la colle. Elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle. Ça sera coupé au montage, celle-là, hein, c'est sûr. Hein. Sachi. Ok, Sachi. Elle monte, est-ce que là. Tu hein. peux demander au mec qui est derrière toi comment il s'appelle. Tu ne prends pas déjà avec ces noms-là. Voilà. Je marche à chaque fois, bordel. Ouh. L'élu. Les yeux de Merlin Free, là, devant moi. Là. Comment, c'est quoi un le prénom? Un lapin dans les phares. Comment? Francis, voilà, ça a plus de gueule déjà. Francis, Cédric, sur scène avec nous. Qu'est-ce que t'étais en train de faire, toi? Il s'est refroqué, le gars. T'étais à poil ou quoi? T'es venu avec le cap d'aigle ou quoi, toi? Putain. Prenez pas le temps de me serrer la main, moi. Y a pas de problème, les gars, surtout. Tu es secondaire. C'est loin. Tu es secondaire. Enchanté. Enchanté. T'es nul. Pas la même chose. Allez, venez, les gars, venez. Viens, Francis. Là. Tiens, place-toi là, mon pote. Tac. Hop, viens là, Francis. Je te place aussi. Voilà. Tac. Pas de direction assistée sur Francis, du coup. Plus dur à manœuvrer. Fera pas de créneau. Quoi? Tu vas être puni pour ça un jour. Ça va? Les gars, mine sérieuse. On va bosser là-bas, hein. Mine sérieuse. Chut. Sérieux, l'air grave. Les gars, vous avez été choisis. La prophétie vient de tomber. Vous êtes les nouveaux Oda et Daco. Vous êtes les nouveaux Dakoda. Cédric, t'es le nouveau Oda. Félicitations. Francis, t'es le nouveau Daco. Désolé. T'as tiré la boule noire, mon petit pote. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Ok. Première chose, on va faire vos fiches signalétiques pour vous connaître un petit peu mieux. Les gens veulent vous connaître, ok. Et on va vous trouver des noms de scène, des noms un peu stylés. Parce que Francis et Cédric, viendront pas les gens, ok? Est-ce que t'as un surnom dans la vie, Cédric? Doudou. Doudou. C'est mignon. Qui t'appelle comme ça? Ma femme. Ta femme t'appelle Doudou? Les amis, ouais, tout le monde. T'es Doudou, quoi. Doudou, c'est ouais. Doudou. Parce que t'es doux? Non. T'es pas doux, mais on t'appelle Doudou. Non, ouais, c'est ça. Ok, ça a toujours été ça. Doudou. Mmh. Superbe, j'aime bien. Il est dur, hein. Francis, c'est quoi ton surnom? Le plus beau. Je t'ai pas dit t'auto-proclamé. Je t'ai dit c'est quoi, comment ils t'appellent les gens? Tes potes, ils t'appellent comment? Ils viennent me chercher. Ah, ils arrivent pas. Y a un responsable de cette personne? Madame? Il est pas autonome, le... C'est quoi son... C'est quoi le surnom? Chouchou, ah bah voilà, le plus beau mon cul, hein. Chouchou, voilà. C'est, il s'auto-attribue le plus fort. Le mec bien gaulé, voilà, c'est mon surnom, je comprends pas. Un peu de sincérité, bordel. Tu nous viens d'où, Doudou? Doudou. Dieudonne, c'est en où ça? En Picardie. En Picardie? Dans le 60, ouais. Dans le 60, ok. T'as toujours été du coin là-bas? Non. Comment t'écris Dieudonne? Comme l'artiste. Ok. Alors. C'est quoi? C'est dit, ouais, simple. D-I-E-U, des. Voilà, pareil. Orthographe facile. Je l'ai entendu comme ça! Dieudonne, superbe! Chouchou, tu viens d'où? Gournay. Gournay, dans le 95, c'est ça? Non, 93. 93? Marais 9-3. Oh! Take life, motherfucker! Oh, c'est une Kaira. New York, t'en fais trop, mais Gournay. C'est un Américain, tu le vois bien, là! Gournay, New York! Mais lui, c'est un Américain, ça se voit qu'il vient de New York. Tu peux nous faire un New York à l'américaine? Non.
C'est quoi? Essaye de nous fabriquer un petit accent, comme ça on peut communiquer sur le fait que Chouchou est un Américain. Chouchou is an American in English. Vas-y, fais-moi un New York. New York. Pas mal. T'es déjà allé là-bas? Ouais. Yeah, on va le prendre comme ça. Hein, voilà, voilà, tiens, voilà, 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 voilà. On va t'aider un peu. Pense nouille, pense coquillette. Il y a une piste, voilà. Il est très dissipé, Chouchou. C'est un indépendant. D'accord, oui, bah, j'ai ce qu'il veut. Tu resserres un petit peu. Parce que là, il est un petit peu en... Hein, il, dans deux minutes, il lâche des caisses sur la scène. Donc fais... Je préviens, premier rang. Voilà. Des fois, je dis des trucs, après, je réfléchis. Mais toi, tu recules, tu es en train de faire un brushing, là. Voilà. Bien. Les gars, on se... Les mines, grave. Attends, on n'aura rien de toi en termes d'acting, hein. Bon. Ok, on vous a nommé, on vous a localisé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Doudou? Je suis carrossier. Carrossier, d'accord. À ton compte ou dans une carrosserie? À mon compte. À ton compte. T'as toujours voulu faire de la carrosserie ou... Non. D'accord, donc t'as ton propre... C'est ton garage à toi? Mon propre garage, ouais. D'accord, ça marche bien, les affaires se portent bien. C'est cool, magnifique. Voilà! Est-ce que j'ai entendu? C'est petit ce que tu fais. La chouche. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? On est intime. Agent de sécurité. Agent de sécurité, qu'est-ce que tu sécurises? Tu sécurises quoi? Moi déjà. Oui. Non, tu sécurises dans quel cadre? Boucherie. Boucherie. Tu sécurises une boucherie? Oui, oui. Fous voilà. Pas de la gueule du monde, ah Chouchou si. Au cas où on pète à les steaks, c'est ça? C'est quoi le projet? Mytho, oui, c'est un mytho. N'importe quoi. Oh, les gars, bon, les mecs. Dernier item. C'est le moment de me faire rêver. Quel est votre atout charme? Commence à réfléchir, Chouchou, du coup. Tu nous prévois un truc. Sécurise des boucheries, ça n'a pas de sens. Prépare un truc bien. C'est quoi ton petit plus? T'es en couple? Ouais. Combien de temps? 14 ans. 14 ans, magnifique. Comment vous êtes rencontrés? Petit, dans un camping. Dans un camping, d'accord. Et c'est un amour de vacances un petit peu qui non, a duré? Un week-end. Un week-end au camping? On y allait tous les week-ends. Vous allez un amour de week-end. Et non. Tous les week-ends, vous vous retrouviez au coup là. Attention, j'ai... Là, on vivait en banlieue et on allait en camping le week-end pour sortir de la cité. D'accord. Et c'était un petit peu votre très bon d'évasion. Là-bas. Et à force. Donc t'as un peu galéré. Tu l'avais repéré. Non, on s'est mis ensemble en couple petit. On s'est séparés. On a fait notre vie de notre côté. Et vous vous êtes retrouvés. D'accord, magnifique. Comment vous êtes retrouvés par hasard? C'est sa sœur est mariée avec mon frère. Ah oui. On vient du Nord. Il se prend pas la tête, le carrossier. Hein, il va pas chercher loin. On était à Sarcelles, on est parti. On n'a pas de sang en commun, allez, on y va. Ok, d'accord. Donc vous êtes retrouvés comme ça et ça fait maintenant 14 ans. Ouais. Superbe. Tu penses que c'est quoi qui l'a fait craquer? T'as fait le bad boy? T'as fait le meilleur ami? Moi, je pense la corpulence. La corpulence. Qui se raconte? Elle est où? Elle est où? Elle est là, elle est là. Ok. C'est la cousine. C'est ta cousine. Tu te la tapes pas celle-là, hein, parce que je sais pas, la famille. Il n'y a pas de limite, il vient du Nord. Bon, Non. Quoi? Faux. Ça va, d'accord. Donc, c'était ta corpulence, le fait que tu sois un petit peu mec sécurisant. Voilà. Voilà, d'accord. C'est grâce à. T'es en couple? Oui, maintenant, oui. Oui. Avant, non, quand j'étais petit. Oui, non, j'entends bien, pas toujours. Non, t'es pas né en couple. Ça n'a pas toujours été. Combien de temps? Bah, un certain temps. Tu sais pas? Bah, non, je sais plus maintenant. Combien? Je compte plus maintenant. Plus de combien? Ah, fais-nous une fourchette. Plus de 30? Entre plus de 20? 2 et 30. Bah, tu veux une fourchette? Prends-la dedans. Donc, c'est moins de 30, c'est ça? 30. On va dire sur 30. Oui, sur 30. On part sur 30. D'accord. Comment vous êtes rencontrés? Dans une boucherie, j'étais agent de sécurité alors. Tu t'es tapé la bouchère? Tu t'es tapé la bouchère? Non, fouille au corps, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, alors, attends, laisse tomber, je veux plus en savoir, tu me fais trop peur. Fouille au corps, il a dit, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, laisse tomber, on va demander à Chouchou, t'allais où? La chouche, voilà. Combien de temps? Combien? Quoi, 2 ans? Bah, je t'ai dit entre 2 et 30. Ça fait 2 ans! Mais à quel moment t'as pu imaginer que c'était 30, en fait? Si ça fait que 2? Ça fait que 2 ans! Et c'est vraiment la boucherie? Il était bouché pour de vrai. Et donc, il faisait une de ses clientes et il a un petit peu... Vous êtes voisins. Je comprends que dalle à votre histoire. Elle ne veut rien dire. Voilà. La solution, très simple.
Rébou, on dira la boucherie, voilà. Tu nous aides pas. Hein. Bon, les gars, on en sait un peu plus sur vous. Doudou, t'es validé, tu restes à mes côtés. Chouchou, tu rejoins ton fardeau. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Où tu vas? Allô, Chouchou. Ton fardeau, c'est ta femme? C'est lui. Tu vois bien qu'on est encore deux, là. Qu'est-ce que tu fais, là, Chouchou? Qu'est-ce que tu fais? Mon fardeau, là. Tête baissée, cul entre les jambes, comme ça. Putain de boucherie. Qu'est-ce que... Gère ton gars! Mais je peux rien faire, là, hein? Oh, putain. T'es le nouveau Daco, c'est validé. C'est tamponné, c'est bon. Bon, les gars, on se concentre un peu, si vous voulez. Mais ça te fait rire, en plus, hein? Mais... Je ferai jamais de fouille au corps. Bah, merci! Ah, je suis rassuré, du coup. Est-ce que tu peux un petit peu canaliser le chouchou? Il paye son RSI, c'est un indépendant, t'as dit, ça va, c'est bon, laisse-le tranquille. Chouchou, you good? L'heure est grave. Vous êtes sur le point, les gars, d'effectuer votre première improvisation face à un public en délire. Vous avez vu cette ferveur populaire autour de vous, les gars? Bien sûr, vous n'allez pas le faire tout seul, on va le faire avec vous. Hein, faut pas déconner, ils ont payé leur place, les gens, quand même. Hein, ils sont pas venus voir Doudou et Chouchou qui font n'importe quoi sur scène, d'accord? On respecte un peu le public. Mais vous allez terminer nos phrases à l'aide des mots inscrits au tableau. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on va vous tendre le micro, vous allez devoir dire un mot. Un des mots qui sont sur le tableau, bien évidemment. Hein. Sur le tableau. Oui, et de la colonne droite. Toi, c'est pas la colonne gauche, d'accord? On continue votre formation, messieurs. On va maintenant vous apprendre à faire le piton. À pitonner, comme on dit dans le bas pays, ok? Ne se palpate, piton, piton. Malheureux. Tu peux te blesser, tu ne pitonnes jamais sans licence. On vous fait une petite démonstration, on va faire un petit tuto piton. Tuto. Un tuto, c'est une démonstration. Hey, tu l'avais pas la chouche celui-là. Ok, on fait la démo. Python. Jambes écartées, bras fermes. Imitation à la perfection du cri du python. T'es en train de faire pipi, Doudou, là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu l'as, c'est bon. Mon client ne parlera pas tout de suite. On est dans les saucisses de chelou, là, ça marche. Allez, pas. Placez-vous au centre, les saucisses de chelou. Placez-vous au centre. Les gars, on le fait à trois. Un, deux, trois, piton! Très, très bon, très, très bon. Waouh! Bon, bon, bon. Le piton doudou est parfait. Quid du piton chouchou? Il est empaillé, mais il est très bien. On le valide? On valide. Let's go! C'est les nouveaux Dakota, c'est les nouveaux Dakota, avec nous c'est les nouveaux, c'est les nouveaux. Il est là, pétillant comme du soda, oh. Toujours beau gosse, voilà le nouveau Oda, okay. Et celui-là, il a un talent fou, et son surnom à lui c'est Doudou, oh. Il est un petit peu mou, mais je te l'ai dit, il est jamais chelou. En tout cas, ce mec-là, il va faire du boucan. Il habite à Dudon, ça veut dire... paysan. Oh ! Avec son tracteur. Yes. Mais sur scène, je te le dis, c'est un tueur. En tout cas, il a jamais peur. Et car aussi en vrai, ça veut dire... voleur. Oh ! Le mec, il prend tout l'oseille. Yes. Mais je te l'ai dit, il va toucher le soleil. Okay. En tout cas, dès qu'il rentre dans la danse, les meufs équipent toutes sur ça. Corpulence. Oh ! C'est les nouveaux Dakota. C'est les nouveaux Dakota. Avec nous, c'est les nouveaux Dakota. C'est les nouveaux Dakota. Yo, la cigale, je vous fais un cadeau. Oh. En exclusivité, voilà le nouveau Dakota. Oh. Vous allez voir, il a un flow relou. Son surnom à lui, c'est... Chou-chou-chou. Il est dedans. Vous allez voir, il est élégant. Il est pas venu pour baisser son froc. C'est un Américain, il vient de... Gourlay.
fait, en fait, c'est un mytho. Oh, il fait rien de ça. Yeah. Mais vous allez voir, il va faire des dégâts. Oh. Sa technique de drague, elle est folle. On prend pour que dalle, il y avait trop. La coup. Dakota, c'est le nouveau. Dakota, avec nous, c'est le nouveau. Viens là. C'est le nouveau. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Merci, Doudou. Merci, Chouchou. Encore du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci, les gars. Magnifique.